Salut, je m'appelle Thérèse Sotiriadur, j'ai 23 ans, j'étudie des sciences politiques et après mes études, j'ai décidé de faire une petite pause et j'ai posé la candidature au service formation jeunesse pour mon volontariat. Et pendant mon volontariat, j'ai compris que je suis intéressée aux relations internationales et je voudrais faire un master l'année prochaine dans ces cadres. Bonjour, moi c'est Marine, j'ai 23 ans, je suis étudiante en troisième année de licence sciences de l'éducation à l'université de Jean Jaurès à Toulouse. Donc, pourquoi je suis venue à l'information jeunesse? Moi, je suis venue pour des demandes de bourse et pour éventuellement une aide dans la réalisation de la démarche. Mais aussi pour avoir des renseignements sur les différents organismes pouvant m'accompagner pour partir à l'étranger et avoir des renseignements aussi sur les démarches administratives à suivre. Comment j'ai connu l'information jeunesse? Moi, j'ai connu l'information jeunesse grâce à un stage que j'ai eu l'occasion de faire pendant ma deuxième année de BTS, donc j'ai pu découvrir ce qu'était l'information jeunesse, leur mission, les publics qu'elles accueillaient, les demandes qu'elles sont à même de faire et d'accompagner, mais aussi les partenaires, qui est un nombre de partenaires très très large. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que cela m'a apporté? Moi, à l'heure actuelle, j'ai pu bénéficier des bourses. J'ai pu aussi avoir beaucoup de renseignements sur les différents organismes qui pouvaient m'aider à partir à l'étranger et connaître aussi les démarches à réaliser pour un départ à l'étranger. Donc, je remercie beaucoup l'information jeunesse pour leur aide. Aujourd'hui, je sais où aller si j'ai une question pour une aide ou pour toute autre demande concernant leur mission. Bonjour, je me présente, je m'appelle Axel Gomez, je suis actuellement en deuxième année de biologie, j'ai passé un bac S, ce qui m'a mené là, et je suis actuellement à Bordeaux. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du job, ce n'est pas un job saisonnier, mais ça peut l'être, que j'ai trouvé en arrivant à Bordeaux directement. Alors en fait, de manière assez spéciale, j'ai trouvé juste l'annonce sur Facebook, comme quoi des fois ça peut marcher, il faut regarder. J'ai contacté directement l'employeur et il m'a demandé de venir avec mon CV, ma lettre de motivation. Je travaille du coup aujourd'hui en tant que secrétaire dans une pizzeria, où je prends les commandes, le standard, ce genre de choses-là. Au niveau de mon CV et de ma lettre de motivation, j'avais au préalable fait tout ça avec le point information jeunesse qui m'a beaucoup aidée pour savoir tout mettre en place, faire en sorte que mon CV soit présentable, que ma lettre de motivation soit lisible et soit surtout appréciée par les employeurs. Et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé mon travail. Si j'ai décidé de trouver ce job, c'est tout simplement parce que j'en avais besoin pour ma vie à Bordeaux, pour pouvoir assumer mon loyer, mes dépenses et ce genre de choses en tant qu'étudiante. Et si j'avais un petit mot à dire là-dessus, franchement, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup grandir personnellement parce que du coup, on a des responsabilités, on a un travail tous les soirs à assumer, je travaille que le soir. Ça m'a permis de tisser des liens avec mes collègues, savoir comment on travaille en équipe, découvrir plein de nouvelles personnes et plein de nouvelles manières de travailler parce que c'est pas toujours facile dépendamment des personnalités qu'on a en face. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne première expérience en tant que job étudiant et je le conseille à tout le monde de trouver au moins un job étudiant pour mieux se préparer au monde du travail qui nous attendra plus tard. Voilà. Je m'appelle Boisa Inès, j'ai 17 ans, je suis au LEAP Jeanne de l'Estonac à Beaumont-de-Loumagne en bac professionnel et j'ai participé au concours Dynamisme ton CV organisé par le Point Info Jeunesse de Beaumont-de-Loumagne. Donc durant ce concours, un atelier CV et un entretien ont été organisés dans lesquels j'ai pris énormément plaisir à participer. Ce concours m'a énormément apporté, notamment en termes d'aptitudes professionnelles lors d'un entretien professionnel et de conception de CV professionnel. Donc je remercie encore une fois le Point Info Jeunesse de Beaumont-de-Loumagne d'avoir organisé ce concours pour les jeunes et je suis très heureuse d'avoir pu le gagner. Encore merci. Bonjour. Bonjour, nous c'est Rebecca et Léa et voici notre tandem Mélusine. Et on va vous présenter le projet Graines de Tandem, soutenu par le service Information Jeunesse du Grand Montauban. Graines de Tandem, c'est quoi? C'est un projet culturel, sportif, qui s'adresse à tout le monde. Donc nous allons partir du 6 au 15 septembre avec Rebecca et Mélusine sur les routes entre Montricou et le Mont Ventoux. Nous allons y rencontrer sur la route des agriculteurs et agricultrices qui travaillent en agriculture paysanne. Et en fait, l'objectif à la fin est de pouvoir
faire du lien entre les producteurs et les consommateurs. Nous allons pouvoir réaliser une exposition photo qui sera exposée à la médiathèque de Montricou. Nous allons aussi réaliser un documentaire qui retracera cette aventure cycliste. Et nous allons aussi sur la route faire une grénothèque itinérante. Parce qu'à la fin, on pourra faire des ateliers afin de pouvoir mettre en avant toutes les personnes qu'on a rencontrées. Et puis ça permet de donner des idées pour que vous aussi, vous puissiez aller sur les routes de France. À bientôt! Salut, moi c'est Joséphine, j'ai 20 ans et je rentre en 3ème année de licence. Le problème c'est que comme beaucoup de jeunes de mon âge, je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie. J'ai donc pris rendez-vous avec le service information jeunesse que j'ai découvert via ma mère, via mes anciens camarades de lycée et également via la publicité. J'ai donc pris rendez-vous, quelqu'un m'a prise en charge. J'ai réalisé plusieurs tests et avec la personne qui m'a prise en charge, nous avons essayé de décortiquer ces tests et de voir quels seraient les métiers les plus susceptibles de me rendre heureuse. Et j'ai donc décidé de m'orienter vers les métiers de l'enseignement et plus particulièrement les métiers d'enseignement dans les écoles maternelles et primaires. Voilà. Donc ça m'a aidé un petit peu à me déstresser et à trouver enfin ma voie, du moins j'espère. Enfin voilà, moi je dis service information jeunesse, top !